Wikimedia France, en tant que commun numérique, fait naturellement partie du mouvement des plateformes coopératives et il est essentiel pour notre association de se fédérer et de travailler ensemble avec l'ensemble de l'écosystème des plateformes coopératives. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Il y en a de nombreuses sur tout un tas de domaines. Par exemple, au niveau du travail d'éducation aux médias et à l'information, sur lequel Wikimedia France est engagé à travers le programme Wikipédia en classe, et par laquelle l'univers de l'open source, l'univers du libre, est forcément un aspect fondamental de la mission de l'association. Mais aussi à travers des enjeux beaucoup plus politiques, à travers la construction de coalitions temporaires sur des sujets qui nous impactent toutes et tous. Alors, il y en a plusieurs. Le premier levier dont on a d'ailleurs parlé pendant la journée, c'était vraiment d'être ensemble, de s'allier, de faire force commune. Et ça s'est déjà matérialisé en juin dernier, quand avec quelques plateformes coopératives, on a signé une tribune collective à la suite, en amont du rapport d'Henri Verdier sur justement les communs numériques. Le premier levier qu'on voit chez Wikimedia France, et le plus important, c'est que cette coalition, elle a vocation à être pérenne dans le temps. Et non seulement on va la nourrir, on va l'alimenter, mais on va faire en sorte que d'autres plateformes qu'on a rencontrées aujourd'hui, qui existent et qui combattent aussi et qui ont d'autres combats, puissent participer à cette coalition avec nous. Et c'est ce que Pierre-Yves Gosset de Framasoft disait, ensemble quand même on va plus loin.